On n'est pas des têtes brûlées. L'idée pour nous, c'est de ramener une histoire, c'est de raconter l'histoire des gens, c'est de pouvoir faire notre métier avec un minimum de sécurité. Et puis, ben, voilà, parfois, il y a des moments où on est obligé de courir, il y a des moments où on a les pétoches, il y a des moments où on reste bloqué aussi parce que ça tire dehors et qu'on ne peut pas sortir. Et puis, il y a des moments comme je me suis retrouvé à Bakhmout en janvier, sous la ligne de tir d'un char ukrainien. Et je peux vous dire que quand vous êtes bloqué pendant 3 heures dans une grange, et qu'il y a un char ukrainien qui vous tire et qui essaye de vous viser parce qu'il a compris qu'il y a des gens là, ça fait assez drôle.